Je vous signale, Driss, je vous signale qu'en Angleterre, je l'ai dit tout à l'heure, se moquer d'un chauve équivaut à du harcèlement sexuel. Alors... Mais t'inquiète pas, mon pote. Personne veut te harceler sexuellement. Vas-y, dis bonjour, Philippe. Enfin, pourquoi tu veux que je dise bonjour Dis bonjour, Philippe. Merde, pourquoi tu veux que je dise bonjour? Mais dis bonjour, ce que c'est... Bon, ben, voilà, bonjour à tous. Voilà. Bonjour. Bonjour à toutes, voilà. Voilà. Allez, fais un petit signe de la main, Philippe. Il est con, voilà. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Tous les Philippes sont aussi mobiles que toi quand il faut parler devant une caméra. Attention, imitation. Mes chers compatriotes. Mais il est con, excusez-moi. La reine et moi. Alors, Majesté, comment ça s'est passé les 20 km de Bruxelles? Content de votre performance? Excusez-le. C'était chaud cacao quand vous êtes rentré dans le tunnel à Nicordi. Bon, dites, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir sur notre plateau, hein, vraiment. Ah, c'est cool, merci. Alors, Philippe, tu te sens pas, que tu te déplaces mieux depuis que tu es en Belgique? Non, je vois pas pourquoi tu dis ça. Eh ben. C'est le papy. Oh là là. Non mais excusez-le. J'ai honte. Hein. Demandez-lui comment il va. Hein? Ah non, on fait pas cette blague-là. Tu l'as déjà fait des centaines de fois, non. Oh, Philippe, allez. Merde. Demande-lui de te le dire. C'est la dernière fois. S'il te plaît, s'il te plaît. D'accord. S'il te plaît, Philippe. Demandez-moi comment je vais. Comment allez-vous? Ben, ça roule. J'adore. Il est con. T'inquiète pas, ils sont sympas ici. Regarde, ça c'est Livia. Hein? Elle est jolie, Livia. Hein? Ouais, je veux dire comment que tu la trouves? J'ai un petit peu les oreilles qui chauffent. Hein? Mais quoi, attends, tu crois qu'il y a moyen? Oh, Philippe, on en a déjà parlé, Philippe. Tu connais ta condition. Hein? Pas de bras, pas de Livia. Excusez-le. Bah quoi? T'es con, non? Bah quoi, Philippe? T'es con. Bah, elle est bonne, non? Non, ta blague est pas bonne, non? Je parlais pas de la blague. Bon, messieurs, bon, si on vous reçoit ce soir, oui. Donc c'est pour parler de la place que notre société accorde aux personnes malades ou souffrant d'un handicap. Ah, hein? Mais je peux te dire directement où elle est, sa place à lui. Hein? Elle est devant le supermarché. C'est vrai que c'est un avantage de me garer devant les supermarchés. Je trouve facilement de la place. Ouais. Ouais. Ça, c'est vrai, ça. Ouais, mais le seul problème, c'est qu'après, tu sais pas supermarché. Mais arrête! Ça fait, vous allez arrêter les on va avoir des problèmes, vraiment. Bon, ça fait 10 ans que vous êtes en Belgique, alors, apparemment. Ça fait 10 ans qu'on est en Belgique, parce qu'en France, c'est insupportable. Ah ouais. Insupportable, il n'y a plus aucune tolérance. Là, je suis retourné récemment, j'ai vu un type qui m'a dit, je le connaissais ni d'Ève ni d'Adam, il me dit, ouais, je veux soutenir les gens de votre condition, et il m'a dit, lève-toi et marche, merde! Vous avez rencontré Jésus? Non, Emmanuel Macron. J'ai même pas voté pour lui. Bah non. Il fait chier. Je crois que je dois être le seul milliardaire à pas avoir voté pour lui. Bah, en même temps, t'allais pas voter pour un type qui a créé un parti qui s'appelle En Marche. Bon, le climat en France, alors, ça devient... Le climat est catastrophique. Oui, bah oui. C'est anxiogène, regardez-moi. Je suis une personne handicapée. Et moi, je suis noir, donc on cumule un peu les mandats. Je comprends. Moi, j'étais à l'étranger pour voir un peu comment ça se passait. Je dois dire que j'étais vraiment séduit par les systèmes mis en place en Belgique. Ah, nos systèmes d'aide aux personnes handicapées. Ah non, le système fiscal. Ah, c'est ça. Oui, blindé comme il est, pour lui, ici, c'est Monaco. Mais oui, merde. Mais raconte pas des choses comme ça. Attends. Philippe, arrête de t'aider. Je veux dire, tu t'es fait des couilles en or. Je me suis fait des couilles. Ben oui, ben bon, c'est vrai que le problème, c'est que tu sais plus t'en servir. Mais... Je me lèverais bien, je te mettrais bien une droite. David, t'as déjà vu des vraies couilles en or? Bon, écoutez, on va avoir des plaintes. On va avoir des plaintes au CSA, vraiment. Bon, Philippe, comment êtes-vous arrivé en Belgique? Par accident. Non mais là c'était pas une vanne. Hein. Pardon.
Non, mais moi, j'aime la Belgique. J'aime la Belgique. Vous avez ici, vous avez fait plein d'efforts pour les personnes à mobilité réduite comme moi. Il y a plein de choses qui se créent. Il y a des, par exemple, tous les matins, il y a des hommages sur vos radios, là, sur vos chaînes radio. Ah bon? Pour les gens à mobilité réduite. Un certain monsieur Loring, je crois. Monsieur Loring? Oui, on dit tout le temps, tous les matins, que Loring est complètement paralysé. C'est marrant, ça, quand même, non? C'est... Hein? Loring. Quoi? Paralysé. J'ai pas merde, compris. Pour une fois que je fais une blague. Mais ça, c'est parce que tu commences à voir l'humour belge. Hein, non, mais c'est avec des blagues comme ça, même valide, on pourrait être traité de handicapé. Mais c'est toi qui es handicapé du bulbe. C'est parce que tu comprends pas que le ring, c'est l'équivalent du périph' en oui, France. Bon, dites, excusez-moi, vous disiez que la Belgique faisait des efforts pour l'accès aux personnes oui, handicapées. Oui, ça fait des efforts, mais c'est pas encore tout à fait au point. Là, par exemple, j'ai voulu prendre le bus et ils avaient installé une plateforme pour que je puisse rentrer à l'intérieur du bus. Ah ben, c'est bien ça. Quel était le problème? Le bus n'est jamais arrivé. Merde! Et il a pas tort. C'est chier, quoi. Il a pas tort. Je suis désolé. Il a pas tort. Il a pas tort. Et ici, c'est pas des retards que vous avez, c'est des failles spatio-temporelles. C'est incroyable. Et tu te souviens la fois où on est allé voir la butte du lion de Waterloo là? Tu penses que je m'en souviens? Ouais. On a mis 3 jours pour arriver jusqu'au sommet. ça je comprends. Oui. Par contre, pour descendre, ça a été beaucoup plus rapide. Ah, c'est empaffé, m'a balancé du haut de la butte. Ah bon, et alors? Oh, bah, merde, j'ai décollé tellement haut que j'ai cru que j'allais me retrouver sur l'île de Sainte-Hélène. Mais c'est pas ça le pire. Ah bon, mais quoi, vous êtes mal réceptionné en tombant? Oh non, il y avait un radar dans la descente. Un radar? Merde! Je me suis fait flasher pour excès de vitesse. Attends. Non, mais ici, au niveau amende, dans votre pays, on a intérêt à être milliardaire. Oui, ça c'est vrai. Allez, en parlant de ça, on a passé un bon moment au circuit de Spa-Francorchamps. On en rigolait, là. Ah bon? C'était bien, ça. Ouais, cet imbécile m'avait mis des lunettes. Vous connaissez ma passion pour les sports automobiles. Ah oui, bien sûr. Et cet imbécile m'avait mis des lunettes de soleil. Ah ouais, raconte-moi aussi. Et alors, une casquette rouge Ferrari. Et on s'est baladé dans les stands. On a ri. C'était la folie. Les gens criaient. Schumacher est de retour. Schumacher est de retour. C'est un miracle. On arrive, merde. Le CSA, on passera pas. On fait ce sketch en France. Il demande à Poutine d'intervenir, quoi. Je veux dire. Et la semaine prochaine, je t'emmène voir faire un truc incroyable. Tu vas voir, ça va être génial. Tu m'emmènes où? On va aller à la montagne de Buren. Il paraît qu'il y a que 2-3 marches, t'inquiète. Oui, non, mais ça, je vous conseille pas d'y aller, en fait. C'est 2-3 jours de marche, là, pour... Enfin, bon, alors, vous avez reçu ce fameux questionnaire d'insertion, là, ah, dont ouais, on a parlé. Ah, ouais, attends, le questionnaire, il est où? Il est... Attends. Il est où, ce questionnaire? Il est là. Bah, tiens-moi ça, je cherche un stylo. Bah, tu fais pas d'effort, Philippe. Je cherche un stylo. Non, ça va, il rigole, on rigole. Regarde, il est en train de rigoler. Alors, qu'est-ce qu'il dit, le questionnaire? Voilà, l'État belge veut te remettre sur le marché du travail. Il faut pas l'emmerder, hein, parce qu'il démarre en quart de tour. Non, mais comme je sais rien faire de mes 10 doigts, peut-être qu'ils peuvent me nommer ni ministre. Je vais te dire un truc, mon Philippe. Hein. Toi, même invalide, tu vaux plus que 8 ministres de la santé valides. Ça, je peux te le garantir. Merde! Ils ont 8 ministres de la santé. Ah, attends. Oui, oui. Ça fait 1 ministre pour 3 habitants. Note que j'ai connu un autiste à qui on a promis un emploi de boucher. Un autiste à qui on a promis un emploi de boucher? Oui, oui. Il aurait dû travailler chez Redmans. Un autiste. Je sais pas. Chez Redmans. C'est quoi? Un autiste. Non, mais. Redmans! Mais oui! T'as raison. Mais oui. Peut-être qu'il faudrait que j'arrête les blagues. Redman, je l'avais pas. Mais ça, c'est encore une fois, c'est de l'humour belge. Hein, t'es un fou, toi. Bon, il vous a emmené à Bruxelles aussi. On a fait un tour dans Bruxelles. On a été voir le Mannequin Peace. Et ce con me dit pisser debout, ça doit faire longtemps que ça t'est plus arrivé. Mais qui est con? Non, mais ce questionnaire, parce qu'on va pas s'en sortir. Oui, d'accord, alors là, regarde, la première question, avez-vous un moyen de transport? Oui.
cascade. Je t'explique pas ce que c'est une cascade, ça prendrait trop de temps. Bon, concrètement, le gouvernement a aussi spécifié qu'il allait dicter une carte des aménagements pour personnes handicapées sur le territoire belge. Attends, mais ouais, je l'ai, mon pote, regarde. Ah, ben ça, c'est bien, ça. Elle est là, cette carte. C'est un truc de fou. Bon, okay. Alors voilà, je suis pas totalement convaincu. Parce que chaque point bleu indique une installation destinée à faciliter l'accès des personnes à mobilité réduite. Ben, il n'y a pas de point bleu. C'est bien pour ça que je dis que je ne suis pas complètement satisfait. Merde ! C'est chier ! Écoute Il reste quand même un espoir à un moment, il reste un espoir. Oui, il y a peut-être un espoir que la société favorise les gens qui ont des difficultés à un moment et ne nous considère pas comme des parasites de la société. Oui, il y a un espoir, oui. D'ailleurs, j'ai envie de te poser une question, mon Philippe. Entre une personne qui a un handicap ou qui a une maladie et une autre personne qui la pointe du doigt en disant que c'est un poids pour notre économie, c'est laquelle la plus malade des deux? Ah bah, alors ça, on se pose tous la question. Ça, c'est vraiment très profond. Bah, merci beaucoup à vous pour cette question, en tout cas. Bon, allez, Idriss, viens, parce qu'on a un spectacle demain, là, vendredi matin. On a un super spectacle à aller voir. Ouais, j'avais oublié. C'est quoi, le spectacle? C'est le Codeco. Ah bon? Comment ça? Il oubliait. J'avoue que... Ça me procure un certain plaisir de voir des gens plus handicapés que moi. Bon, bah, merci, on vous accompagne, alors.